Je pense que le président Sarkozy veut absolument faire une rupture, fera un bras de fer et puis on verra ce que ça donne. Mais moi, j'ai pas de conseil à lui donner, je suis pas politicien, je suis juste usager des services publics. J'en ai vraiment marre d'avoir des trains annulés, d'avoir des gares fermées, d'être obligé de partir à 6h du matin pour être sûr d'arriver au bureau. Ce n'est que le seul moyen qu'on a pour se faire entendre. On n'a pas d'autre moyen. Si vous avez un autre moyen de nous proposer, vous nous proposez. Mais si on ne fait pas ça, comment on va se faire entendre par le gouvernement, puisque le gouvernement ne veut rien entendre? Non, je ne pense pas qu'il y a d'autres moyens. De toute façon, maintenant, c'est que comme ça on peut accéder à quelque chose. Ce conflit dépasse très largement le cadre de la SNCF et les concerne aussi au premier chef. À partir de 2008, il ne faut pas oublier que le passage du mode de calcul de 40 à 41 annuités va leur faire perdre de l'argent sur leur future pension. Donc qu'ils comprennent bien que le combat n'est pas seulement le nôtre, n'est pas seulement celui des cheminots et de leur outil de travail et du transport ferroviaire, mais plus largement, c'est aussi la préservation de leurs droits futurs. Nous sommes dans une situation qui est très différente de 1995, puisqu'en 1995, l'état d'esprit des Français était plutôt à la sympathie avec les grévistes. On avait parlé d'ailleurs de grève par procuration, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont changé pour beaucoup de raisons et les Français soutiennent la réforme du gouvernement, considèrent que la réforme des régimes spéciaux est normale et doit se faire, et ne sont donc pas en empathie avec les manifestants.